Yo les gars, nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Alors on est parti pour découvrir la nouvelle saison. La saison avec Lola. Alors il y a lumière, caméra et Brawl. Skin exclusif, émoticône et bien plus. Donc là, on va activer le Brawl Pass tout de suite. Ah. Bah. J'ai que 8. Ah, mais il y a un truc là. Ah bon, on regardera ça après. J'ai cuit, j'aime. Bon. Et ben, je vais faire un truc. C'est que je vais cliquer sur le là. Et attention, attention. Et ouais, bon, en vrai, j'ai juste mis pause et puis voilà. Donc, là. Ah, la coupe star. Formation, récompense. Là, j'en suis à où, moi? Ah, je suis là. Ah. Crotte. Donc il y a le buzz comme ça. Et ben. Alors en gratuit dans la boutique, on a ça. Voilà. Donc alors on va prendre le Brawl Pass. Hein. Voilà. Et juste essayez pas de le faire de cliquer sur le là. C'est pas vrai. C'était juste comme ça. Voilà. Donc voilà. C'est parti! On récupère la grosse boîte et rien du tout, comme d'hab. Et le boule B800! Voilà. Ensuite, il y a ça, Lola. Là. Et il y a son skin là. Lola Rebelle. Donc, alors, dans la boutique, on va regarder tout ça. Alors, le boule, je l'ai, lui, et bah, pas l'avoir tout de suite. Il y a le capitaine Korvac, oh, le gars SOS Fantôme. Trop bien. Et Serge Conk, et bah, on va les tester. On va commencer par le buzz. C'est parti. Donc, alors, buzz, réalisateur de cinéma. Parce que faut pas oublier que c'est sur la réalisation. Oh! C'est plein de fichiers. Ou des bobines. Ouais, ça doit être des bobines. Les trucs là, les. Je sais plus comment ça s'appelle dans hein, les bobines de fil. De film. Il y a des pellicules. Ou des. Je sais plus. Bon, bref. Et là, on va foncer sur le robot. Oui! C'est carrément la bobine là. Ah oui, c'est trop stylé. En plus, ça roule, c'est pas. Ça se lance, non, ça roule. On n'a qu'à faire ça pour voir. Ça roule. Et là. C'est trop stylé. Donc, lui, ce sera avec des points stars. À combien? Je pense que ça doit être 25 000. Mais pas sûr. Donc voilà, buzz réalisateur, voilà. Si, voilà, 25 000. J'ai pas encore l'option d'achat. Donc voilà, 25 000. Le prochain qui va sortir, c'est Gaël. Donc on va le tester tout de suite. Et comme ça, après, Gaël, il peut chasser. Oh! Les petits fantômes. Il y a plein de petits fantômes. Attention. Oh, il y a Squeak. C'est Squeak. Vous avez pas vu? Regardez. C'est Squeak. C'est parti. Squeak. C'est trop bien. Ça, c'est les enfants de Squeak qu'il a fait avec maman fantôme. Et là, c'est Squeak. En fait, Gaël, et ben Squeak, et ben comment dire, c'est. Il l'a emprisonné dans son truc, et puis ben voilà.
Donc voilà pour le Gaël. Quand il sortira, je le prendrai. À combien? Ensuite, le Surge Kong. T'es parti pour le tester? Alors, Surge. Oh! Oh ouais! Il y a des hélicoptères autour de lui. C'est trop stylé. Là, il y a des hélicoptères qui volent autour de... Oh! Il lance une graine et il est pas content quand il la balance. Ah ya! Ouais, ça n'a pas d'animation spéciale. En même temps, c'est un gadget. Et là. Oh! Il écrase la ville. Et son amélioration, c'est qu'il a un avion dans le dos. C'est pas mal. Là. Son autre amélioration, il écrase encore la ville, c'est stylé. Il a un casque de pilote d'avion. Bof. C'est pas mal. Et troisième, il a une géante banane. Et c'est pas là où vous pouvez penser. Non, non, c'est la géante banane. C'est là où il tire ses graines. Ah. Donc voilà. Donc on va passer au capitaine Korvac. Le capitaine Korvac, on va l'essayer tout de suite. C'est parti. Alors. Ouais, en tout cas le skin en lui-même, il a l'air pas mal. Oh! C'est des genres de shuriken. Non. Voici des shurikens. Mais non. Ça, le truc là, c'est comme Korvac robot, ça. Ça a de l'électricité, le Korvac normal pour le poison. Et ça fait une traînée avec des têtes de mort. C'est stylé. Et son ulti? Ah oui. Même stylé, hein. Et quand il atterrit, il fait un cratère. Ah ouais. Quand même. Donc là. Et là, il va atterrir, il va faire un cratère. Ah ouais. Eh, en vrai, c'est bien. Donc voilà, lui, on va le tester. Et bien sûr, j'ai pris tous les skins d'Halloween. Enfin, à la base, c'était pas prévu. Mais au final, bah, ils ont souffert. Ouais, voilà. Je crois qu'il n'y en avait pas d'autres. Enfin, pas ceux d'avant, hein, comme la poli, voilà. Ça, j'ai pas. Ah, si, voilà, la chérie. Bon, c'est une d'avant. Ah, oui, j'ai aussi pris le Léon KO. Ouais. C'était la dernière chance. Ils sont stylés. Et puis voilà. Donc le boule. En B800. Donc c'est parti pour... Attends, déjà on va regarder le skin. Derrière, c'est à moitié comme le boule normal là. Moitié un tête de taureau. Elle est à moitié normale et à moitié mécanique. Sa tête, elle est... En gros, la moitié de sa... Ouais. En gros, il est moitié mécanique, moitié humain. Bon, ouais, j'allais dire, c'est comme Obito, sauf qu'Obito, sa partie, elle est pas trop mécanique. Il a été ramené... Ah si, je crois que c'est mécanique, en fait. Ah, je sais plus. Un peu comme Obito, donc du coup, voilà, moitié-moitié. Il s'est fait écraser sous un rocher. Et il a eu ça. C'est Madara qui lui a fait ça. Par contre, le truc dans le dos. Voilà, c'est le mauvais côté. Parce que là, le côté où il y a le mécanique, bah, c'est le côté normal. Et le côté où c'est normal, c'est le côté mécanique. Après, voilà. Sur ses cheveux, y a un truc. Son regard, il est rouge. Son pistolet, il y a un endroit. C'est différent. L'anneau, il y a toujours été, oui. Toujours été là, ouais. Ouais. Et ensuite, les attaques. On va regarder ça tout de suite. Donc, c'est parti. Alors. On va attaquer là. Oh! C'est plein de trucs mécaniques.
C'est des trucs mécaniques. Lui, on va le tuer. C'est des trucs mécaniques qui ont des propulsions de feu derrière. Et son ulti. Oh, ça fait. Oh! Il charge les données devant. Devant, il regarde des données. Il y a plein de fichiers qui apparaissent et qui disparaissent. C'est quoi son but en fait? Son but, c'est de buter les gens. Et ça fait un peu comme un mur du coup. Il a une traînée derrière lui. Il a aussi une traînée derrière lui. Ouais. Et donc voilà. On va passer à Lola, puis à Shola. Lola, j'en ai un peu entendu parler. Son ulti, ce que j'ai compris, c'est. Bah, c'est, elle peut créer des clones. Salut, on mange. Donc alors, petite incruste de mon père. Sinon, donc elle tire des étoiles. Ouais, tire des étoiles, elle en tire combien? Six, elle en tire 6 étoiles. 6 étoiles et son ulti, elle peut créer un clone. Donc en gros là, si je le mets là et que j'attaque lui, elle va l'attaquer avec moi. Ah non, elle attaque au même endroit que moi. Elle se déplace au même endroit. On va se mettre comme ça. D'accord, ok. Donc là, je vais essayer un truc. Si je la mets là. Ah, on peut pas la mettre sur soi. Ah, c'est dommage. Bon, tant pis. En tout cas, elle fait masse dégâts. En gros, on peut. Ah ouais, elle fait masse dégâts. Le boss, on peut le défoncer en 2 secondes. Donc voilà pour Shola. Et on va regarder vite fait. Enfin, Lola ou Sh Lola. Ouais, je me perds entre Lola, Shola. Ouais, c'est plus, même plus Shola ça. C'est Lola Rebelle. Avant, je croyais qu'elle. Avant, elle s'appelait Shola. Changer de nom. Parce que je veux vite faire regarder le Brawl Talk, hein, bien sûr. Oh, elle tire des étoiles, elle! Et son truc, il est vert. Non, toujours la même couleur violet. Parce que là, attention, on se met là. Oui. Défonce largement en un coup. Attendez, je vais me faire le boss. Et quand il reste plus beaucoup de vie, je vous dirai combien de temps j'ai mis. Pas longtemps, normal. Bon, en fait, c'est bon, c'est pas grave, c'est Donc voilà, c'était tout pour la nouvelle saison, je crois, ouais. Donc voilà, c'était. Ah, j'en possède un. Ah oui, bien sûr, bah oui, bien sûr. Et ça disparaît à la fin de la saison, non? Ah non, dans 14 jours et 11 heures! Ah oui, la saison dans 69 jours et 13 heures. Ok, bon bah voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et bah sur ce, bah je vous dis à une prochaine vidéo. Si vous avez des idées de quelle vidéo je pourrais faire, si les commentaires sont activés, parce que. Aucune idée, je sais pas comment on les active, je sais pas comment on les désactive. Et bah dites-moi tout ça en commentaire. Et puis voilà. Bon, bah tchuss! Moi je vais manger un hamburger. En plus c'est vrai. Je vais manger un hamburger. Bon, je quitte avec le burger. Allez, tchuss!